sia lodato Gesù Cristo e avanti con Maria. Carissimi, vengo a darvi appuntamento dopo questa pausa estiva indimenticabile nella quale ci hanno acquisito piccola Nazareth, ma noi siamo sopravvissuti perché ci accompagna la Madonna, per un appuntamento imperdibile. Domenica 6 ottobre a Milano alle ore 14:30 ci ritroviamo, per quanti lo vorrete, per un momento di preghiera. L'ultimo nostro raduno è stato a giugno a Firenze, una lunga estate che adesso volge al termine. Vi aspettiamo con la corona del rosario in mano, noi il popolo dei rosarianti, a Milano domenica 6 ottobre, prima domenica del mese dedicato alla Madonna del Rosario. Reciteremo insieme il rosario, accoglieremo la statua della Madonna, benediremo tutti i bambini e faremo la consacrazione alla Madonna e la recita della supplica alla Madonna del Rosario di Pompei. Domenica 6 ottobre, Milano, avanti con Maria e a presto. Que Jésus-Christ soit loué et en avant avec Marie. Bonne et sainte journée à vous tous, mes chers enfants, dans les sacrés cœurs de Jésus et de Marie et dans le cœur très chaste de Saint-Joseph. Bienvenue à notre rubrique matinale sainte et café. Aujourd'hui, nous sommes le 16 septembre. L'Église célèbre la fête liturgique de Saint Corneille, pape et Cyprien, évêque martyr. Nous en parlions justement hier soir de Saint Cyprien. Dans la rubrique, le Père répond à propos de l'un de ses textes écrits les plus célèbres, qui est le De Unitate Ecclesiae, sur l'unité de l'Église. Les deux sont des martyrs des premiers siècles. Aujourd'hui, je ressemble à Alfred Hitchcock. On voit vraiment projeter ici mon image. Il ne manque que la pipe. Ecco, c'est l'ombre de Don Minutella. Bon, mes chers, alors donc aujourd'hui c'est lundi, une nouvelle semaine commence. Nous avons conclu hier soir avec la rubrique Le Père répond, le troisième rassemblement international des sentinelles de Béthanie. C'est vraiment extraordinairement bien passé. Plus d'une personne m'a dit que c'était le plus beau parmi les autres, car il a été fait dans un contexte de précarité, vu la situation du passage de Petite Nazareth au Centre de Spiritualité Mariale, Ave Maria. D'ailleurs, je saisis l'occasion pour dire que cet après-midi, nous serons, je le dis déjà maintenant, et espérons que vous serez encore là pour connaître ceux qui n'ont pas pu le centre, l'autre emplacement qui est Sainte-Marie de la Joie, pour être clair, en Afrique, où il y a le baobab, l'arbre du baobab. Ce furent des jours de grâce intense durant lesquels j'ai pu comprendre l'importance de cette œuvre. En plus de celle que le Seigneur nous a inspirée, la Vierge Marie a un rôle très précieux parmi ces femmes venant de toute l'Italie qui prient pour la sanctification des prêtres. Elles sont les mères des prêtres. Bien entendu, ce n'est pas que chaque fille et femme du petit reste est appelée à devenir sentinelle. C'est un appel, justement. Une chose est d'être dans le petit reste. Un autre est qu'au sein du petit reste, il y ait ceux qui se sentent appelés à faire partie des sentinelles de Béthanie. Expérience extraordinaire, et nous remercions la Vierge Marie pour ce moment de grâce. Si vous avez vu seulement quelques photos des séquences photographiques et filmées, nous avons pu vivre au Centre Marial Oasis, en spiritualité et de prière. Je vous salue Marie, petite Nazareth. Aujourd'hui, c'est lundi. Je vous rappelle ce soir à 21h l'émission avec la confrérie du Saint-Rosaire. Vous savez que depuis un moment, nous avons laissé de côté les textes du bienheureux Alano que nous reprenons naturellement. D'autres bêtes nous attendent. Et puis, en attendant, nous faisons, je crois que c'est ce soir, le quatrième épisode, un cycle de catéchèses. À l'intérieur de la confrérie du Saint-Rosaire, qui suit ce cycle de catéchèse, qui est inscrit à la confrérie. Naturellement, elle est ouverte à tous depuis la lettre apostolique de Jean-Paul II, Rosarium Virginis Mariae. Cette soirée, nous lirons les textes de ce que, selon les humbles et dévoués enfants de la tradition, à Marie-Marie et l'Antéchrist.
Voici ipse dixit, attention, ipse dixit, c'est Martino Mora qui dit que Jean-Paul II était l'antéchrist, lui qui va rendre hommage à Carlo Maria Vigano et qui trouve que c'est un évêque comme il n'y en a jamais eu. S'il manquerait plus que ça, il a raison, Jean-Paul II était l'antéchrist. Ce que je veux dire, c'est à quel point nous en sommes arrivés. Mais grâce à Dieu, comme vous le voyez, je le disais hier, avant-hier, cette polarisation devient de plus en plus évidente pour que la vérité émerge, celle qui est catholique, et que nous, le petit reste, incarnons. Les avant-gardistes bergogliens, eux, ne veulent pas de cette Église. Ils en veulent une futuriste. Les rétrogradistes, les viganiani, les sédévacantistes, les traditionalistes, eux non plus ne veulent pas de cette Église. Ils en veulent une qui revienne en arrière. Capito. C'est pour ça que Jean-Paul II est pour eux l'antéchrist. Pire que les bergogliens là-dessus, parce qu'au moins les bergogliens sur Jean-Paul II, au moins, se taisent, du moins officiellement. Cette chose ici, vous verrez qu'avec l'avenir, avec le temps, elle s'accentuera de plus en plus, cette tension, cette polarisation entre les deux rives. En tout cas, ce soir, nous parlerons encore de la magnifique lettre apostolique de Jean-Paul II, la Rosarium Virginis Mariae, qui nous offre tant de réflexions et qui montre que les papes ont toujours eu à cœur le Saint-Rosaire, qu'ils l'ont toujours recommandé et suggéré. Et puis je vous rappelle rapidement qu'il y a les rendez-vous du soir demain soir, qui est mardi, le mardi belliqueux, La fausse Église et son destin, de mon livre qui est en sortie, le titre Le primat dans l'Église, la parole ou l'Eucharistie. C'est un thème très important. Qu'est-ce qui est plus important, la parole ou l'Eucharistie dans l'Église catholique? Sarei tentato di chiedervelo subito e spero che troviate la risposta giusta. Grazie. È più importante la parola o l'Eucaristia? Ou bien cette question est-elle volontairement mal posée? Nous le verrons demain soir, puis mercredi soir, il y a Don Enrico avec le mercredi biblique. Jeudi, nous continuons le cycle de la catéchèse avec la symphonie de l'agneau. Alors, nous nous préparons à la rencontre de prière à Milan. Il n'y a pas encore de bus officiellement organisé parce que ce n'est pas un rassemblement, c'est un moment de prière. Mais je pense que nous serons nombreux, surtout parce que ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu, à part ceux qui viennent ici. Pauvre fille, celle qui appelait de Milan le soir en disant qu'elle avait organisé de venir ici le 6 octobre. Espérons que les portes soient au moins ouvertes. Oui, bien sûr. Les petites sœurs de la Compagnie de Marie seront ici et ne participeront pas à la rencontre de prière. Donc le centre sera ouvert. Venir, organisez-vous pour ce rendez-vous incontournable dimanche 6 octobre. Le matin, il y a les confessions, nous serons présents tous les prêtres de l'association, et ensuite à l'NH Milano Congress Center à Assago, et puis après, il y aura à 14h30, au début de la rencontre. À cette occasion, comme je l'ai déjà mentionné, mes deux livres seront présents, les voici, La farsa Chiesa et son destin, deuxième édition, avec cette belle couverture où se trouve le Christ juge de Michel-Ange. L'autre livre auquel je tiens énormément est L'aigle et le soleil, en édition rugueuse, très belle. J'ai conçu moi-même la couverture. Puis la maison d'édition a fait le reste. Et comme vous voyez ici, il y a une partie de la lettre finale de l'alphabet grec qui se poursuit ensuite à l'arrière, l'oméga, pour indiquer que Jésus-Christ est alpha et oméga, l'accomplissement. Aussi parce que le quatrième évangile est le dernier dans l'ordre chronologique, mais surtout le message théologique est que Jésus-Christ est l'accomplissement de l'histoire. L'Aquila et le Soleil, c'est le titre du livre. Premier volume, vous voyez qu'ici au fond il y a un chiffre romain 1. Premier, parce que c'est le commentaire des cinq premiers chapitres de l'évangile de Jean. Il y a déjà plus de 300 pages sorties. Mais parce qu'il y a le prologue, qui est à lui seul le prologue, comme vous pouvez l'imaginer, au commencement était le Verbe, tu t'évanouis. Au commencement était le Verbe, ça te donne le vertige. Donc ce livre sera aussi disponible. Et puis, si Dieu le veut, avec le temps, je publierai les autres volumes, vous les trouverez disponibles à Milan. Puis hier, j'ai promis
de publier des livres sur Jésus. J'ai pensé à celui de ma bibliothèque. Très bien fait. Eccolo qui, David Kotter, est un exégète américain et il s'intitule précisément Genèse. De la maison d'édition Kerignana, qui publie des livres intéressants. C'est un livre bien fait, sorti, il coûte un peu, 45 euros, et je l'ai pris, je crois, il y a 2 ans. Donc maintenant, le prix a peut-être augmenté. Peut-être donc, la première édition est de 2003, en langue anglaise, aux États-Unis, et la traduction italienne est de 2020. Elle a été traduite pour la première fois en 2020. Bien, les enfants, alors il me semble avoir tout dit. Maintenant, passons à l'épisode d'aujourd'hui, à la fenêtre d'aujourd'hui, qui s'intitule « Pape, oui, pape, non ». Mais peut-être aussi « La pénible galaxie, une cume ». Déjà, le titre devrait tout dire. « Pape, oui, pape, non ». Mais peut-être aussi le sous-titre est celui explicatif, la pénible galaxie Unacum. Dunque, Bergoglio ha finito di compiere il suo viaggio in Oceania e Asia, è stato in paesi remoti, Papua Nuova Guinea, poi è stato in Indonesia, Singapore, eccetera. E il ha placé, disons ainsi dans son style, une... Diciamo, une petite perle de son intéressant magistère luciférien à Singapour, où il est intervenu à propos du sempiternel refrain apostat, selon lequel toutes les religions sont égales. Dit par un futur pape, n'est-ce pas la fin de l'Église? Les gens de cette partie des Unacum font semblant de ne pas s'en rendre compte. Compris? Pour exemple, le premier en ordre d'importance est la nouvelle boussole quotidienne qui est financée, aidée économiquement par les Unacum qui se plaignent. Papa déconcertant. Aujourd'hui, il y a un article très intéressant, je dois dire la vérité, du directeur Ricardo Cascioli sur le cardinal Prévost, ou Prévost, péruvien, augustinien, rien de moins que préfet, par la volonté de Bergoglio des évêques du monde entier, je ne sais pas si je me fais comprendre, très puissant, qui aurait couvert, il y a tout un dossier intéressant, aurait couvert des cas de pédophilie, addirittura en jouant d'astuce. Tandis que d'autres, comme moi et Don Enrico, sommes réduits à l'état légal, disons en un 4-4-8, comme on dit par chez moi. Alors ils sont là à se plaindre sans cesse, mais ils n'arrivent pas à la solution qui devrait être la plus évidente. C'est pas le pape. Tout le discours est là. Ce n'est pas le pape. Mais ils n'y arrivent pas parce qu'ils doivent faire semblant de rien. La vérité ne doit pas être dite tout au fond. Ce qui est le plus déconcertant devient alors un problème. Mettons-la dans le tiroir. Ils appellent le cardinal Burke qui intervient à la nouvelle boussole, Müller qui se fait interviewer par la nouvelle boussole, les cardinaux qui, comme il y a ensuite le conclave, peut-être ont des squelettes dans les placards, entre tiroirs et placards, toute la vérité ne doit pas sortir. Et ainsi Bergoglio les laisse pour le restant de leur jour. Blablater parce qu'ils lui font même un service, c'est pas que tout le monde puisse parler bien du dignitaire. C'est prévu dans les régimes que celui qui est, quand il y a un dignitaire, ça se passe comme ça dans les régimes. Que ceux qui crient que le type est un dictateur, c'est comme ça, ils sont éliminés. Mais le régime lui-même, entre-temps, s'occupe d'organiser une dissidence à la charge du dictateur qui soit inoffensif. Dans le sens où, allez-y, parlez aussi un peu mal de moi, sinon c'est trop flagrant, il faut aussi quelqu'un pour dire quelque chose qui ne va pas. Cependant, je ne vous touche pas. Tant que vous ne dites pas que... Voir ça dans l'Église catholique. Regardez que par chance, ce n'est plus l'Église catholique. C'est la fausse Église. Qui est avec Bergoglio est hors de l'Église, soyez clair. Quiconque va à la messe en union avec le pape François commet un acte schismatique très grave. C'est hors de question et tu es en dehors de l'Église catholique. Pas la peine de tourner autour.
C'est la dissidence, celle qui est fusillée par le peloton d'exécution avec des procès sommaires qui sont Minutella et Bernasconi. Parlo di noi due perché siamo ridotti allo stato laicale. Regardez que c'est une peine infligée à ceux qui commettent des abus sexuels, des cas de pédophilie. Ces choses-là méritent la réduction à l'état légal. Délit grave. Je ne sais pas si c'est clair. Alors nous sommes la dissidence qui mérite d'être condamnée. Et puis au contraire, il doit y avoir death. Le désaccord de Scrozzati, de Cascioli, d'Aldo Maria Valli, de Chiesa et Prevost Consiglio, et ainsi de suite, qui se plaignent, Tosati se plaignent. Mais c'est le pape, on n'y touche pas. Et si quelqu'un essaie comme le cher Cionci, parce qu'il a cette capacité de patienter, d'essayer d'ouvrir toujours une brèche avec les collègues journalistes, etc. Non, de cela on ne parle pas. Pourquoi pas en parler? Il y a des preuves, c'est pas comme ils disent un code Da Vinci. Un travail, celui de Cionci, est aussi le mien, comme Chiesa, dove vai, Pietro dove sei, qui servent comme. Puis il y a Brunoni, il y a Galimberti. Grâce à Dieu, il y a désormais une littérature sérieuse, avérée, pas avec des indices suspects et doutes, non, avec des preuves à la lumière des documents de l'Église et surtout du droit canonique. La grande question, il ne faut pas en parler, car c'est un désaccord pénible, celui des Unacum, qui sert uniquement, ces derniers jours, il est intervenu, ou bien il le connaissait depuis longtemps, dont Alfredo Maria Morselli, ou lui aussi dans l'univers galactique de Dorothea Lanciotti. Certains d'entre eux étaient avec nous. Quand j'ai dit qu'on ne va pas à la messe avec les hérétiques, à ceux qui jouent de la guitare chez les petites sœurs à Chio, et où les gens vont, puis tu comprends, ce n'est plus une question de vérité ou de mensonge. C'est une question d'intérêt, une honte. Comme les catholiques italiens sont devenus, c'est une chose honteuse. Ils savent qu'ils ont honte du pape, mais ils se sont passés le mot. Susurrant en disant « nous ne devons pas le dire ». Peut-être est-il vrai que ce n'est pas le pape, mais malheur à nous, si nous le disons. Et alors que se passe-t-il? Il se passe que Bergoglio leur rend bien service, parce qu'il va à Singapour et dit que toutes les religions sont égales, naturellement chères. Enfant, si c'était vrai que Bergoglio est le pape, mais cela ne doit pas être discuté. Supposons qu'en ce moment, nous Bergoglio est le pape. D'accord? Si toutefois nous nous connaissons, vous connaissez Don Minutella, ce serait aussi sérieux que ceux qui définissent Jean-Paul II comme l'Antéchrist. Donc que ceux du côté de Mora sachent que leurs épithètes injurieux à mon égard, pour moi, sont un honneur, dit par ceux de leur bouche. Vomite du venin contre l'Antéchrist et rendront compte à Dieu d'avoir ruiné le jeune adulte qu'ils ont pourtant défendu bec et ongle du Radio Spada au Mora, parce que j'ai touché le jeune adulte qu'ils ont rallié à leur cause, qui était avec nous au début. Je disais que selon moi, je suis une personne sérieuse. Si je devais dire que le pape François est le pape, je ferai un épisode où je le ferai ainsi. Pour vérifier, quand le livre de Pietro Sewald, Une vie, est sorti, j'ai fait un direct disant peut-être que je me suis trompé sur tout, car ici, Benoît. Puis j'ai découvert des choses que j'ai racontées et je me suis calmé. Donc, avec le même sérieux qui me caractérise, je vous dis, supposons que nous acceptions de dire que Bergoglio est le pape. Je ferai vite une émission spéciale où je dirai, chers enfants, nous devons admettre que c'est le pape, mais nous devons nous demander ce que dit le Seigneur. Parce que si l'Église enseigne que le pape est le vicaire du Christ, qu'il a le munus de l'indéfectibilité et de l'infaillibilité, qu'il est constamment assisté par le Saint-Esprit, si nous sommes sérieux, nous devrions en tirer la conclusion. Pourquoi parle-t-il ainsi depuis 12 ans? D'accord? Pourquoi de ce côté-là, ils ne le font pas? Mettons en lumière que Bergoglio est désormais déconcertant, mot sacré de la doctoresse Scrozzati. Mais la doctoresse Scrozzati, qui ferait bien de ne pas parler et d'écrire, devrait avoir le courage, si elle était honnête avec sa propre conscience, d'approfondir la question.
Alors, d'un point de vue théologique, elle devrait avoir l'humilité de demander à des théologiens, est-il possible qu'un pape soit aussi déconcertant? Parce que si c'est le pape, nous devons nous demander ce qui se passe. Et pourtant non, c'est le pape. Nous pouvons raconter les bêtises qu'il dit, mais c'est le pape. Cette est la situation pénible, comme vous l'entendez, des Unacum. Alors procédons dans l'ordre. Commençons justement par elle, par Laura, docteur Luisella Scrosati, qui samedi dans le titre l'a commenté avant tout Cionci. Je le félicite personnellement pour cette excellente vidéo qu'il a réalisée sur l'intervention de Scrosati, intitulée « À Singapour, un pape déconcertant pour atteindre Dieu, une religion vaut l'autre ». Lise en parlant de dialogue interreligieux avec les jeunes à Singapour, le pape François, attention le pape François, met toutes les religions sur le même plan. Alors Scrosati, demande-toi. Non, au cas où, il se peut que tu aies un doute. C'est sûr que c'est le pape. Parce qu'un pape ne peut peut-être pas dire que toutes les religions sont égales, ce que certains rigoristes vont récupérer avec tout le respect, je le dis, plus onzième. Mais il n'est pas nécessaire d'aller à plus onzième. Ce sont les traditionalistes, ils sont malins. Parce qu'ils doivent créer l'étape, le blackout, jusqu'à citer Pie XII. Un type comme l'éminent, inatteignable, très parfait, professeur Mora n'y pensera jamais. Qu'il peut donc dire que Jean-Paul II est l'antéchrist, citer la Dominus Iesus, qui dit cela, et elle date de 2000, pas besoin d'aller à 1933. Pourquoi y aller? Ce n'est pas qu'en 2000 il y a Dominus Iesus. Il y a des déclarations éparses de Paul VI, Jean-Paul II. Mais pourquoi aller à Pie XII? Les traditionalistes font comme ça. Ils ne citent pas les papes post-conciliaires parce qu'ils sont des antichrists, pas antichristiques. Antichristi. Voilà, alors donc personne ne pense à dire « Mais un pape peut-il dire que toutes les religions sont des ennuis? Qu'est-il advenu du Saint-Esprit ?» Non, intervient Dorothea Lancelotti, qui depuis des années dit l'important, c'est qu'il ne parle pas ex cathedra, sainte paix. Qu'est-ce qu'on doit entendre? L'important, c'est qu'il ne parle pas ex cathedra et lui fait écho, l'évêque néerlandais, le pape. Oui, nous devons le suivre, non? Mais vous vous rendez compte à quel niveau de court-circuit, mais vraiment logique, laissons de côté théologique. Je dis logique. Sont-ils arrivés? L'important, c'est qu'ils ne parlent pas d'en haut. Rilassatevi, restate nella vostra zona di comfort, perché significa che siamo vincolati in questo momento, solo fino al 1950. Perché significa che praticamente noi siamo vincolati in questo momento fino soltanto al 1950. Parce que le dernier prononcé ex cathedra, si Dorothea Lancelotti, la Scrosati et tout le monde pénible, Unacum qui se plaint mais reconnaît Bergoglio comme pape, permettent la dernière déclaration infaillible et celle de 1950, le dogme de l'Assomption de Pie XII, à cela nous devons croire. Ou en définitive, ensuite, pour le reste, nous pouvons décider mama ou pas mama. Ça je prends, ça je laisse. Je danse, tu danses, c'est la danse de l'été. Je danse, tu danses, celui-ci je le prends, celui-là je le laisse. Compris? Chacun décide. Pourrait-elle demander à Lancelotti de nous suggérer quoi prendre de pape François? Si c'est valable pour François, c'est pour tous les papes. Pas double. Jean-Paul II en 26 ans n'a jamais parlé ex cathedra. Et alors, décidons quoi? Réalisez-vous à quel point ces gens sont d'une banalité absolue, incapables d'accepter que c'est une honte pour un pape. Parce que sinon, logiquement, dirait-il, un pape peut parler ainsi. Non, mais tu dirais que Don Minutella et Cionci ont raison. C'est-à-dire que le problème est à l'origine et bon sang. C'est pas le pape. C'est censé être quelque chose de plus évident au niveau purement logique. Non, comme le patient qui a continuellement des maux de tête et des vertiges, ne tient pas debout et va chez le médecin. Le médecin l'examine, fait les examens et découvre qu'il a une tumeur au cerveau. Et lui dit, maintenant je l'envoie chez le podologue.
Comme dal podologo. Podologue? Oui, parce qu'elle a des corps aux pieds. Mais désolé, j'ai mal. Les unakim font ainsi. Ils ne veulent pas y aller et c'est très grave. C'est d'une gravité inouïe. C'est un péché contre le Saint-Esprit. C'est cacher la vérité. C'est une mendacité absolue, impardonnable. Parce qu'ils ne veulent pas aller à la racine du problème, c'est-à-dire Bergoglio d'ici. Le pape François a dit, le pape François a fait ici et là, et là, et là. Toujours pourtant le pape. Excuse-moi, mais ça ne te vient pas à l'esprit que peut-être il ne l'est pas. Oui, ça leur vient. Mais l'orgueil intellectuel luciférien les domine. C'est pour ça que le pape François ne les calcule même pas. Ça lui fait même plaisir, tant qu'on parle de lui. Non, et qu'on ne dise pas l'indicible, parce que Don Minutella l'a dit, et il est réduit à l'état laïque. Don Enrico l'a dit, et il est réduit au local. Et les prêtres de l'association ne s'en sortent pas beaucoup mieux. Par contre, si quelqu'un ne dit pas que Bergoglio n'est pas le pape, au contraire, comme le père Rupnik ou le cardinal Prévost, selon ces choses, ils sont protégés, gardés, et personne ne les touche, y compris le docteur Cascioli. La nouvelle boussole quotidienne vous semble-t-elle être persécutée, que la nouvelle boussole quotidienne est de la part du Vatican du Saint-Siège? Non. Parce que c'est le pape, c'est déconcertant, dit Scrosati, c'est le pape. À part que c'est personnel, je suis sûr que vous me croyez, car beaucoup me connaissent comme une personne de conscience. Supposons que je sois un instant une cume et que je comprenne que Bergoglio est vraiment le pape. Je resterai silencieux, je ne l'écrirai jamais, un pape déconcertant. Prierai pour lui, d'accord? Prie pour lui et invoque la Vierge pour qu'elle le prenne vite. Mais je ne parlerai pas mal du pape. Je ne ferai pas. Je me connais, je ne ferai pas. Faites-moi confiance. Je ne me permettrai jamais d'aller sur les réseaux sociaux pour dire qu'il y a un pape scandaleux. Je me sentirai mal avec ma conscience. Si c'est le pape, je prie ce que Dieu a donné. Il n'est pas le pape. C'est ça qu'il ne faut pas dire. Tout le monde est serein. Un renversement de 180 degrés par rapport à son prédécesseur qui serait Benoît, donc pour la Scrosati, il est évident que Bergoglio est le successeur de Benoît. Un retour en arrière de plus de 2000 ans dans l'histoire des religions. C'est inacceptable pour un chrétien d'annuler le cœur de l'événement chrétien. Les déclarations de Francesco lors de la rencontre avec les jeunes au Catholic Junior College de Singapour ne laissent pas de place aux malentendus. Pour Francesco, toutes les religions mènent à Dieu, un peu comme toutes les routes mènent à Rome. L'exhortation au dialogue interreligieux d'hier, 13 septembre, est la pierre tombale non seulement du dialogue interreligieux tel que conçu par l'Église catholique, mais aussi du sens même du christianisme. Les mots de Bergoglio. Chez vous, jeunes ici, votre talent pour le dialogue interreligieux. Et c'est très important. Si vous commencez à dire « ma religion est plus vraie que la tienne », où ça mène? Quelqu'un répond où? Quelqu'un répond depuis la salle. À la destruction, et lui. C'est comme ça, toutes les religions sont un chemin pour arriver à Dieu. Pourquoi Pierre, après la Pentecôte, va-t-il au temple et parle-t-il ainsi? Je ne sais pas. Ou Paolo va à Athènes et parle comme ça. Mais Paolo, à la limite, est encore apôtre comme Pierre. Mais Pierre est le chef du collège apostolique. Mon Dieu est plus grand que le tien. C'est vrai ça? C'est qu'il y a un seul Dieu. Et nous, nos religions sont des langues. Regardez que c'est l'apostasie totale. Chemine pour atteindre Dieu, que le truc maçonnique est toujours le même. La bénédiction, c'est pour les couples gays, donc t'en veux aux gays. La communion des divorcés remariés n'est pas possible, car Jésus dans Matthieu l'a interdit. Si tu es fondamentaliste, tu en veux à ceux qui n'ont pas eu de bonnes relations. Les religions sont égales. Un instant, Jésus-Christ est mon sauveur. L'as-tu vu, toi? Un vrai chercheur de conflits, toi. Je ne sais pas si vous voyez. Les diaconesses à l'autel, le synode commence, les diaconesses, mais Jésus-Christ n'a pas voulu de femmes à l'autel. Un macho machiste et antiféministe.
Compris? Le critère reste pareil. Conclusion de Bergoglio. Quelqu'un sikh, quelqu'un musulman, quelqu'un hindou, quelqu'un chrétien. Ce sont différents chemins. Le pape dit ces choses. Il papa dice queste cose. Eh bien, ensuite, Scrozati nous fait savoir que ce n'est pas le cas. Tu comprends? C'est une laïque. Corrige le pape. Vous voyez, chers enfants, heureusement que moi, je vous l'ai toujours dit, c'est le bon chemin. Je suis sûr, je me fiche de qui est là, qui part, qui reste, qui arrive, car je sais que le chemin est juste, c'est la vérité. Tôt ou tard, elle triomphe, en vie ou mort, comme Dieu veut. Je suis tranquille, Hein, mais je me demande comment ils font pour se faire ces raisonnements mentaux. Alors la Scrozati, en tant que laïque, corrige le pape. Elle le gronde, parce que le pape dit des choses qui sont fausses, et moi, laïque, humblement, car il faut de l'humilité, je te corrige. C'est déconcertant, pape. Papa François, tu es confus, et je t'enseigne. Donc à Scrozati, à Papa Francesco et à nous tous, chapeau, elle nous enseigne la doctrine, pour nous mettre en garde contre le pape. Regardez vraiment, chers enfants, on est à la plaisanterie. Temps auparavant, un article est sorti aux États-Unis, il me semble à Washington ou à New York, car aux États-Unis, vous devez savoir que cette tension est plus accentuée. Dommage qu'ils ne connaissent pas Don Minutella à cause de la langue. Et ils sont tourmentés parce qu'il y a là-bas un catholicisme intransigeant, très lié à la tradition, qui est assez répandu. Même si Bergoglio a veillé à placer dans les sièges les plus importants d'Amérique, des cardinaux et des évêques complètement ouverts aux progressistes. Cependant, ce catholicisme intransigeant, très lié au thème de la vie, whiteilien, excusez-moi, professeur Mora, par charité, chapeau, même devant Mora, l'antéchrist du siècle dernier était très attaché, comme vous le savez, au thème de la vie, à la défense de la vie et ces choses-là. Écho, ce catholicisme interne est tourmenté. Tellement il est tourmenté qu'il y a quelque temps, un article a été publié, traduit en italien par Sabino Paciola, dans lequel, sur le blog de Sabino Paciola, un journaliste catholique représentant et porte-parole de cette ligne intransigeante disait ceci. Il est venu le temps renouvelé de résister, comme les chrétiens des catacombes, et jusqu'à présent, comme les chrétiens des catacombes et les chrétiens de l'Europe de l'Est. Les premiers ont dû résister à l'Empire romain, aux empereurs. Les seconds ont dû résister à l'idéologie communiste, aux soviets, et nous aujourd'hui devons résister au pape François. As-tu compris? Et où serait l'assistance continue et permanente de l'Esprit Saint pour le pape? Confirme tes frères dans la foi. Compris? Non, parce qu'ils disent que ça peut arriver parce que Dieu le permet. Alors excuse-moi, Dieu peut permettre à ce stade que même l'Eucharistie, à un certain moment, disons que je voudrais vous dire, au lieu de rester ronde, devienne carrée parce que Dieu décide. Mais elle ne doit pas être ronde. Elle ne doit pas être de blé. Nous l'avons faite avec du riz. Mais pourquoi? Dieu lo permette. Noi resistiamo mais, on ne peut pas faire d'ostie de riz. Elle doit être de blé parce que le pain et nous l'avons fait de riz. Mais oui, nous résistons. Mais je ne sais pas si vous me comprenez. Nous sommes à des niveaux vraiment d'une banalité jamais vue auparavant. Et donc Scrozati écrit un très long et très intéressant article où elle précise que le Logos éternel et primordial est entré dans l'histoire. Selon moi, elle a lu en avant-première mon premier volume, créant l'étreinte entre la religion et la philosophie. La forme historique prise par le verbe constitue blablabla, toutes des choses sacrées, mais elle les a dites pour se déclarer consternée par le pape François. Conclusion de la Scrozati avec ses malheureuses déclarations, une laïque parle du pape.
Avec ses malheureuses déclarations, François annule le sens du christianisme, le sens de l'incarnation du Verbe et de sa peur. Mais comment se fait-il qu'il ait une telle lucidité pour cela et qu'il ne parvienne pas à saisir le doute? Au moins le doute, si elle était honnête, elle devrait le dire dans la prochaine intervention. Mais à ce stade, je dois avoir l'honnêteté. Discuter de la possibilité concrète à la lumière de ces choses, que pour moi ce ne soit pas le pape. Et donc je rapporte ce que soutient Xiongxi, ce que depuis des années affirme l'innommable Don Minutella. Vous comprenez? C'est lui. C'est le pape. Sconcertante, malheureux. Le pape ne doit pas être discuté, parce que si au contraire il y avait liberté d'expression, la scrosati, qui n'est pas stupide, devrait, selon la théorie du syllogisme, du principe de non-contradiction, arriver à pouvoir dire, puisqu'elle est philosophe, qu'elle devrait pouvoir dire que si A est B et B est C, alors A est égal à C. Non, non. Le principe de non-contradiction, le syllogisme n'existe pas pour la scrosati. Les déclarations du pape sont graves, celles du pape qui annulent le pape. Sens de l'incarnation et rédemption. Ils ne peuvent pas passer inaperçus aux yeux du collège cardinalis. Tout bergolien a fait un bergoglio, tous pire que lui. La scrosati ne se rend pas compte. Faites appel au collège des cardinaux pour qu'ils ne laissent pas passer inaperçus les déclarations. Réalisez-vous à quel point il y a un degré diabolique d'hypocrisie dans ces rédactions et de tous les évêques catholiques. Stop. Arrête. Il ne manque pas quelque chose. D'une certaine manière, cependant, peut-être sur un post-it, il faisait une note en bas de page. Il écrivait cependant, il se peut que nous décidions de traiter une question. D'accord ou pas, c'est du nécessaire. À ce stade, c'est de rigueur. J'aime que moi, petit au lycée, cette expression m'amusait, c'est de rigueur. Ça peut être ce que signifie « è duopo ». C'est obligatoire, c'est nécessaire qu'on en discute. Non, ce n'est pas nécessaire, c'est nécessaire d'en parler. Duopo. C'est pas qu'il est duopo d'en parler, c'est d'apostrophe uopo. Non, eh, duopo ne parlons-en. Duopo, si Caccioli décide de faire la personne sérieuse, il devrait avoir l'honnêteté intellectuelle de dire qu'ici, maintenant, la situation est vraiment devenue grave et dire peu. Donc il se peut que nous ayons besoin d'approfondir la possibilité, puis peut-être qu'ils peuvent décider de ne pas la partager. Mais à ce stade, il devrait être raisonnable de dire qu'il se peut que ce ne soit pas le pape. Il y a ceux qui le soutiennent depuis des années, et nous leur donnons. Mais moi que Dieu, par exemple, si on m'invitait, je n'irais pas attention. Ne me méprenez pas. Pour eux, je le dis, invitez Xiongxi. Moi, je n'y vais pas, je n'irai jamais écrire de ces côtés-là qui sont là, à droite et à gauche. À parler de toutes les attaques de Bergoglio aux évêques, aux cardinaux, à nous prêtres du sodalicio, ils nous ont ignorés de manière flagrante. Pour eux, je n'ai jamais existé. Comment ça va? La vérité? Ah! Puis, hier soir, je vous ai cité Aldo Maria Valli. Chers amis de Duke in Alto, la Bergoglio de Singapour, s'adressant aux jeunes, a prononcé des paroles bouleversantes pour tout chrétien digne de ce nom. Attention au style de Viganiano qu'a adopté Valli. Il l'appelle Bergoglio, donc pas question. Pour toi, le pape n'est pas le pape. Rien. On sait. Toutes les religions sont des chemins pour atteindre Dieu. Les religions, c'est comme des langues, des dialectes pour cet objectif. Mais Dieu est pour tous. Commence à te battre en disant que ma religion est plus vraie que la tienne. Où cela nous mène-t-il? Un seul Dieu. Et chacun de nous possède un langage pour atteindre Dieu. Certains sont sikhs, musulmans, hindous, chrétiens. Ce sont différentes voies qui mènent à Dieu.
Puis il dit le pontife, alors d'abord il l'appelle Bergoglio, et ensuite il dit le pontife. Donc on est dans la même rengaine, tu vois. Comme le chien, vous avez vu, j'avais un chiot qui mordait sa queue. Je l'ai enlevé, car cette idée du chien qui poursuit sa queue, je dis non, tu ne peux pas rester avec moi. Désolé. Nous sommes incompatibles, et ceux-ci sont comme la petite chienne que j'avais, elle s'appelait Lily, celle que j'avais quand j'étais petit, elle passait son temps et puis tombait par terre. Et ceux-ci sont Aldo Maria Valli, la Scrozzati, tu comprends? Sont tous comme Lily. Lily est le vagabond qui est Bergoglio. Ils poursuivent la chose et tombent à terre. Le pontife a prononcé ces mots lors d'une rencontre interreligieuse avec les jeunes qui s'est tenue dans un collège catholique. À part le fait qu'on devrait considérer la dévastation de type doctrinaire pastoral que Bergoglio y sème, parce que là-bas, comment peuvent-ils savoir à Singapour que ce n'est pas le pape? Il y va en tant que pape. Et donc les catholiques du coin se sentent concernés, car ils cohabitent vraiment à Singapour. Mais dans de nombreuses parties du monde, il n'est pas nécessaire d'être à Singapour. Je ne sais pas combien d'heures je voudrais traverser l'océan, tu es justement à New York, que sais-je. Et là aussi, c'est un labyrinthe. On trouve de tout. Et le pape, comme il l'appelle, a dit que cette chose est ici. Alors, conclut Valli, sur le Christ unique sauveur, c'est réglé de la manière la plus nette possible. Quel sens a à ce stade l'évangélisation? Non te da fastidio questo, lamentarsi, continuo da parte loro. C'est complètement inutile. Parce que maintenant Bergoglio va faire le synode, il n'approuvera pas lui, peut-être après, qui sait, on verra les nouveautés, etc. Et ceux-là seront encore là, attendons la prochaine plainte de Scrozzati. Nous éclaire et nous donne la force d'avancer. C'est sûr, ce n'est pas la première fois que Bergoglio s'exprime en ces termes, mais jamais il ne l'avait fait avec une telle brutalité. Les termes sont forts, c'est désastreux, c'est déconcertant, c'est brutal. Parler comme ça là-bas, c'est le pape. À ce stade, on se demande, c'est la papauté. Che senso ha? À Singapour, 19% sont chrétiens, 31 bouddhistes, 15 musulmans, avec 2 sikhs. Après avoir écouté les paroles de Bergoglio, un prêtre a écrit « C'est fini », dit Pape allemand. Ah, c'est fini? Non, regardez, ils se relèvent et attendent le prochain mouvement de Bergoglio. Je vous lis pour conclure ce que le blog Chiese Pros Concilio Sabato a écrit. Le titre est « Bergoglio récidiviste ». Chaque religion est un chemin pour arriver à Dieu. C'est pratiquement, rapporte pratiquement ce que Bergoglio a dit et commente. Lis et traduit depuis un site des États-Unis d'Amérique les citations suivantes de Bergoglio à l'occasion du récent voyage en Indonésie dont nous avons déjà parlé. À la mosquée de Jakarta, il a signé avec l'imam pour la paix et le climat. Il a dit que la foi est utilisée pour les conflits, la crise environnementale empêche la coexistence des peuples. Pour ne pas parler des effusions avec l'imam, y compris le basma, il a embrassé la main de l'imam. Sembra un predicatore laico. Cosa possono costruire i giovani e tutti gli uomini senza Cristo Signore, mai nominato da colui che dovrebbe essere il suo vicario? Ces commentaires font actuellement réfléchir. Où les gens se plaignent, les gens de la revue catholique n'en peuvent plus de tout ça. Et donc, il commente. Ici, naturellement, il n'y a pas de place pour ceux qui, comme cela se passe à Valli, disent que Don Minutella pourrait avoir raison, parce que Bergoglio, d'une autre manière peut-être, ne serait pas le pape. Ici, ce n'est pas possible de le dire. Alors, pour conclure, retournons à Aldo Maria Valli. Nous nous sommes un peu amusés aujourd'hui, comme on dit, et regardons les commentaires que j'avais mentionnés hier soir. Je vous en lis quelques-uns pour que vous vous rendiez compte de ce dont nous parlons.
Voilà, je voulais vous lire ceci sur le profil Facebook de Dorota Lanciotti. Un type écrit « Croire encore que le pape est François, c'est offenser Jésus-Christ. » D'accord. Prendre pour menteur, parce que Jésus a promis que les portes de l'enfer ne prévaudront pas. Bergoglio et le pape ont gagné. Excusez-moi, quelqu'un qui, au nom du Christ, dans le sens où il est vêtu de blanc et le représente, va répandre l'hérésie et l'apostasie. N'est-ce pas la victoire du mal? Jésus nous aurait trompés. Ce qu'il a fait en 11 ans de faux pontificat ne suffit pas. Né Dorothea Lanciotti, ni personne d'autre ne lui répond. Parce qu'ils ne veulent pas, parce qu'ils veulent rester là où ils sont. Stanno tirando la corda per aspettare che Bergoglio crepi, perché aspettano che poi il prossimo Papa, con l'appoggio di Müller, di Burke, di Sara, sarà più moderato. Ils ne savent pas ce qui les attend. Un lui répond, un certain Père Rossi, nous n'avons pas l'autorité pour dire que ce n'est pas le cas. Nous n'avons pas l'autorité pour dire qui devrait avoir cette autorité. Il y a le code canonique. Ah, et vous, vous savez lire? Vous avez l'autorité pour ça. Quand 332? Dans l'Universi Dominici Grecis, non? L'autorité de l'Évangile est pour tous les baptisés. Es-tu Pierre? Et sur cette pierre, je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. C'est une promesse sur laquelle, voyez-vous, mes chers, où nous nous fondons sérieusement, parce que dans le sens nous nous basons sur cette promesse du Seigneur, où nous nous moquons de nous-mêmes. Parce que si Bergoglio est le pape, nous devrions justement nous demander ce qui est advenu de la promesse du Christ. À cela, personne ne répond. Ecco, c'est une nouvelle de tout à l'heure que, entre-temps, les paroles problématiques du pape sont changées en anglais au Vatican. Listen. Pendant que les critiques des paroles de Francesco continuent de croître dans le monde entier, c'est-à-dire que tout le monde parle de ce qu'il a dit, la salle de presse du Saint-Siège a diffusé une version anglaise, adoucie, par rapport au régime. La Sainte-Siège fait ces choses-là. Je ne sais pas, enfant. Cher Père Livio, je ne le suis pas chez toi, mais que fait-il? Et la Vierge de Medjugorje avec respect. Hein? La Vierge de Medjugorje fait quoi? Apparaît. Et de quoi parle-t-elle? Parle comme le pape François. Parce qu'à Medjugorje, tu vois, la Vierge apparaît encore. C'est le visiteur apostolique. Le Saint-Siège ne parle plus jamais mal de Medjugorje. Avait mal commencé François, comme il l'appelle. Medjugorje n'est pas vrai, la factrice, je n'y crois pas. Change d'avis. Et cette Vierge de Medjugorje ne sait pas ce que Bergoglio a dit à Singapour. Et si elle est mère du Seigneur, comment? Et je sais que je peux assumer la responsabilité de dire cela. Si ce n'est pas là, quelque part, n'est-il pas nécessaire, vu que cela apparaît ainsi, de mettre en garde les fidèles, les brebis qui ne le comprennent pas, parce qu'il y a tant de gens qui ne comprennent pas? Ou peut-être que la Vierge Marie veut aussi cela? Que toutes les religions sont égales, qu'il n'y a pas de différence entre être hindou ou chrétien. Vous vous rendez compte à quel niveau de situation nous vivons? Je m'étonne que vous ne partiez pas. Peut-être parce qu'il y a Don Minutella, il y a Frère Celestino, il y a Don Ramon, il y a Don Enrico, il y a Don Pavel, il y a Père Johannes, etc. Cependant, rester dans ce cadre est lourd. S'adressant à un groupe interreligieux de jeunes à Singapour le 13 septembre, le pape François, soulignant la nature de nombreuses régions de la nation, a dit « Si vous commencez à vous disputer, ma religion est plus importante que la nature, où cela mène-t-il, où, etc., etc. » La salle de presse du Vatican de la Sainte-Siège a publié une transcription anglaise décidément différente et trompeuse. La version anglaise du Vatican dit en effet ceci. Les religions sont vues comme essayant d'atteindre Dieu. Je ne sais pas si je l'ai bien dit. Admis, ajourné. Amis d'Amérique, je dis ça. Les religions sont considérées comme des chemins qui cherchent à atteindre Dieu.
remarquez immédiatement la volonté de couvrir le méfait. La différence est notable. La transcription du discours de Bergoglio semble moins problématique que l'intervention réelle. Beaucoup ont lu la traduction anglaise et minimisent la controverse après les mots du pape. On dit que la version anglaise est juste, mais pas l'italienne. Film de Totò. Seule la version anglaise est correcte. La transcription italienne est de celle-ci, l'espagnole, la française et la polonaise, mais pas celle. Compris? Et d'un souffle, cher. Dites-vous. D'accord, on peut conclure ainsi. Quoi? Merci Dieu que Goglio n'est pas pape. Nous le remercions pour cela, car si c'était le pape, tout le problème qu'il se pose ne serait sérieux que jusqu'à un certain point. Et j'imagine combien de prêtres souffrent de devoir dire en union avec notre pape François. En union avec le nôtre, que le pape n'a pas encore été. Comment peut-il y avoir union si tu crois que Jésus-Christ est le seul sauveur, tu comprends? Et ce n'est pas le pape. Ce n'est pas le pape. Je crois que le Père éternel, je pense, demandera des comptes à chacun. Il aura dit à Saint-Pierre, plus que ses portes, mais comment jusqu'à fermer? Alors Saint-Pierre se sera tourné vers la Vierge Marie et lui aura dit ferme et mieux, parce qu'il veut voir arriver un par un les catholiques baptisés de l'ère bergoglienne, surtout les prêtres, les évêques et les cardinaux, à commencer par Comastri, par Müller, par Burke. Burke a présenté deux fois en doute ce qui mijote dans la marmite. C'est encore l'Église catholique, ces jeux de pouvoir, ces collatéralismes mondains. Plein texte, ces manœuvres humaines offusquent et étouffent la pureté de l'Évangile. Nous ne pourrons, et j'ai vraiment terminé, qu'être reconnaissants jusqu'au bout pour le courage du pape Benoît XVI qui a entrevu tout cela, a porté le Munus et a fait ainsi salutation à tous et a sauvé l'Église catholique en attendant le grand prélat. Thank you.